Salut tous, c'est Lune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un parcours. Bonsoir la salle, comment vas-tu? Comment Hello, how are you? I'm fine and you? Et écoute, je vais très bien la salle. Il y a un truc que j'arrive pas, c'est. Tu vois, regardez, je vous montre ça. À chaque fois, ils veulent pas me mettre mon petit casque la salle, tout simplement, tu vois. Mon casque magnifique, mais non, ils veulent pas, ils veulent jamais. Mais là, c'est bon, regarde. Alors, normalement, c'est bon. Non, ils veulent pas me donner mon. Moi, c'est LSPD. Ah, t'as des trucs de LSPD, toi? Allez, allez. Oui, hein. Oh c'est bon, oh j'ai réussi à l'enlever. Magnifique. Ok, bon, par contre j'avais pris la bâtisse modelée la Akuma. Donc bon c'est pas grave à la limite, c'est pas grave. Akuma, machin, nous on est là, on est chaud. Donc du coup la salle, comment vas-tu? D'ailleurs au passage, parce que t'étais pas là hier hein, dans ma vidéo. Oui. Et parce que j'ai fait une dope avec Boubou, j'étais à 6. Encore des informations, etc. D'ailleurs, j'aimerais savoir ce que t'en penses, parce que c'est vrai que les vidéos GTA 6, je les fais jamais avec toi, parce que bon, c'est vrai que toi, t'aimes bien faire des vidéos GTA 6 quand c'est sûr, quoi. Là, c'est juste des rumeurs, etc. Donc, la rumeur du moment, c'est que, d'après une certaine source, il y aurait un personnage féminin dans GTA 6, quoi, en principal. Personnage principal. Mais ça, on le sait déjà. Enfin, on sait déjà que cette rumeur existe depuis longtemps. Hein. Ouais, mais là, c'est ressorti aujourd'hui. Enfin, avant-hier. Encore? Ouais. Wow. What? C'est passé quoi, là? Ouais, faut quoi? Faut faire une roue? Ok, bah fais une roue, j'ai fait une roue. Ok. Ouais, et donc du coup, la salle, alors, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses. Bah, c'est ce que j'ai dit à Boubou pareil dans la vidéo. Est-ce que tu penses de le fait d'avoir un personnage féminin? Faut aller en dessous. Je sais pas ce qui est ouvert dans ce parcours. Hein. Est-ce que le fait d'avoir un personnage féminin, c'est quelque chose qui te plaît? Non, alors moi, oui, non, mais c'est pas ça. Déjà, avoir un personnage féminin, je vois pas ce que ça change. Parce qu'en réalité, dans GTA, il y a des. Enfin. On rencontre souvent des personnages féminins et tout, puis ça change rien. Je veux dire, c'est pareil, hein. Féminin, masculin, voilà. Oui, c'est la même chose, hein. On va pas faire de. Mais c'est sûr que oui, de la présence féminine un peu dans ce monde de brut, ouais, ça fait du bien, ouais, effectivement. C'est cool, je trouve. Parce qu'ils disent que, du coup, la salle, le monde de GTA 6, enfin, le thème de GTA 6, ça sera, du coup, le monde des narcos. Voilà, comme ça, je sais pas en trichant, les gars. Mais par contre, il faut pas trop de douceur non plus, tu vois. Il faut pas qu'on tombe dans. Voilà, parce que tu sais, dans la société dans laquelle on vit maintenant, tu sais, voilà, il faut de la douceur, il faut des femmes partout. Il faut pas que ça tombe là-dedans non plus, quoi. Il faut qu'il y ait des femmes, mais il faut que ces femmes-là, elles restent dans le délire GTA. Voilà, il faut pas que ce soit des femmes. Il faut pas que ce soit des trucs un peu féministes, tout ça, quoi. Ouais, voilà, faut rester dans le. C'est pas parce que. Bah, c'est ce que j'ai dit à beaucoup, faut que ce soit une vaillante, quoi. Comme dans Viking. Ouais, par contre, la Akuma, les gars, elle a trop de puissance. Ça n'a rien à voir avec la Bati. En fait, il faut pas du girl power. Voilà, tu vois. Ouais, pas de girl power, quoi. Comme les mecs dans GTA, tu vois, c'est pas des manpower. Hein. Ils s'en foutent, quoi. Il y a pas. Tu sais, ça n'existe pas, ça, en fait. Eh ben, ça, faut éviter dans GTA. Ouais. Pas de truc en mode. Ouais, je suis une fille, donc je suis trop forte, parce que moi... Enfin non, tu vois, faut éviter ça. En fait, il faut qu'il y ait des filles, des femmes dans GTA, mais il faut qu'elles restent égales aux... Il faut qu'elles restent égales aux hommes, tu vois. Ouais, il faut que ça reste égal aux... Ok, je vois ce que tu veux dire, là, ça. Voilà, c'est pas parce que c'est des femmes qu'il faut insister sur le fait que... ouais, regardez... girl power... Non. Non, je pense pas que ça va être comme ça vu de la part de Rockstar. Je ne pense pas. Après, ouais, normalement non. Mais qui on s'attend à tout. On sait jamais. Faut tu aller vois. Où la salle Je sais pas du tout. En fait, je comprends pas trop. Je fais au feeling, je prends des trucs, mais c'est vrai que je ne piche pas exactement tout. Bah pareil, là je comprends pas ce qu'il faut faire ici. Apparemment c'est un truc où il faut souvent de l'élan, voilà. Sauf que le problème c'est que là par exemple je suis à un endroit où il faut pas d'élan. Donc parfois c'est trompeur. Ah.
Là, Là, c'est trop bien. figure-toi la salle que j'ai failli tomber. Et que je suis tombé du coup. Enfin, j'ai failli me rattraper, je voulais dire. Non, oh là là, je tombe dans des trucs bidons, Attends, bidons. peut-être qu'il y a moyen de rattraper par là. Les erreurs, viens voir là. Ici, erreur bidon. Je Ok, suis tombé j'ai une quatre porte. fois. Alors attends, Ici, là. je viens à toi. Vas-y, je suis tombé quatre fois. Là, Alors, le ouais, petit tu vas saut. dire, mais c'est bidon. Ben, je Ah. sais. Mais moi, le problème, c'est que j'ai l'Akuma, la salle, elle est trop puissante. Par rapport à la bâtie. Ah ouais? Je suis obligé d'y aller doucement comme ça, voilà. Ok. Ouais, là, t'es tombé là. Bah, j'ai fait du premier coup. Ouais, je suis tombé quatre fois. Faire pas Donc du là? coup, tu vois, c'est Ah, chacun. voilà. Donc c'est un petit parcours fun la salle, hein, vraiment. Pour l'instant, il n'y a rien de hard. Alors par contre, tu nous fais revenir en arrière. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous fait? Oula, je vois qu'on va être transformé là, non? Ouais. D'ailleurs, cet hélico est magnifique au passage. Oula. Moi, je stunte abusé, hein, par contre, hein, je te le dis. Mais non, pourquoi j'accélère quoi? Au lieu de le faire tranquille, j'ai accéléré comme un porc, je voulais faire un stunt au bout. Faut y aller tout doux, la salle, des trucs comme ça. Là, tu peux te permettre d'accélérer la salle une fois que t'es en haut. Mais une fois que t'es en haut, tu vois, parce que là, tu tombes ici, t'as mal. Ouais. Ah ouais, mais toi, t'es un forceur, oui. Calme Non. la salle, doucement. Après, tu tombes, tu fais des erreurs. Oh, heureusement que j'ai eu le point. J'ai voulu stunt aussi. C'est vrai qu'on a. En fait, le problème, quand on a une moto, les gars, on a trop envie d'aller loin. Vous voyez ce que je dis? Bon, là, je regardais la caméra, du coup, je suis tombé. On a envie d'aller loin, vite. Vous voyez? C'est ça la moto. Quand on a une moto dans les mains, c'est comme ça que ça se passe. Surtout que là, que moi, j'ai la Akuma, les gars. Ok, la folle est là. Ah! Oula. Faux stunt. Vas-y, hop. Ah ouais, mais j'ai la Kuma moi. Donc la Kuma les gars, c'est pas trop trop ça. Oula, je recommence d'où là? Ouais, pareil. Ok. Là ça va, j'ai réussi à rattraper. Par contre là, faut que je règle des soucis. Ça me rappelle le parcours d'hier. La nouvelle moto. C'est bon, on est passé. Des fois, j'ai l'impression qu'il faut deviner un peu. Oula, attention là, attention. Nous on a la bâtie, les gars. For sure. Ok. Nous on a la bâtie, donc faut vraiment bien se mettre à l'avance. Ouais, faut prévenir les trucs comme ça, la salle. Bah ouais. Ouais, des fois il y a des stunts, ils nous préviennent pas, on sait pas quoi. Par contre, je te vois, t'es loin. Je vois que t'as pris de Bah c'est l'avance. bizarre ouais, comment J'ai c'est que fait t'es une pas erreur, bah j'ai derrière? fait une erreur, je suis tombé assez bêtement. Je suis tombé assez bêtement, donc du coup, suite à ça, eh bien. Si je le fais du premier coup, je suis trop chaud. Voilà, oh, je suis trop chaud. Toi aussi, le looping, tu l'as fait du premier coup? Non, troisième. Ah ouais? Ouais. Wow, je l'ai fait du premier En coup, je suis fait, choqué. moi j'ai l'impression que je tombe beaucoup plus que toi, mais je vais plus vite que toi dans le parcours. J'ai l'impression que c'est ça en fait. Ah Du merde. coup, c'est pour ça que je m peux me permettre de tomber plus. Effectivement, la salle. Et moi, je vais me taper ça pour que il me ralentisse. Et d'ailleurs, c'est fait exprès. Voilà. Il faut pas avoir peur, les gars.
Hop, ensuite lui, on le tape tranquillement, il nous arrête, voilà, au calme. Et là, on peut sauter sur le pont, parce que ça, c'est pas grave. Je vais essayer quand même d'atterrir, le gars. Bah non. Pas possible. Ce n'est pas Bon possible. bah je t'attends, hein. T'as fini? Ouais. Oh bah écoute, j'arrive. Je suis. Bon, je pense que dans 30 secondes, je suis là. Ah ouais, ça fait 9 minutes 30 qu'on est en train de faire le parcours. On a le beau 4x4 à la fin. J'ai toujours trouvé beau, lui. Alors attends, j'arrive. Oula, j'ai cru qu'il fallait faire un stun. Je l'ai fait du premier coup encore. Oh, c'est stylé. Je suis en train de faire des trucs de fou, la salle. Oh, non! La Ah ouais, salle, t'es j'ai tombé voulu me là. précipiter. T'as osé. Le mec a osé. C'est stylé. Franchement, le parcours, il est stylé. Ah, je suis tombé bêtement, là, les gars. En fait, j'ai voulu... Je vais aller trop vite, comme t'as dit, la salle. Bah oui. T'es où là? Je te vois même pas. Ah, je suis juste en dessous, là. Ah oui. Bah C'est lequel que t'as bienvenue. dit qui est beau comme véhicule? Bah le 4x4 quand il est custom. Ah ouais, c'est celui-là. Il est ready. Steady. Oula! Je suis tombé à la fin, la salle. Easy boy. Ah, il est pas custom le tien. C'est bon, j'ai fini. Ok, et eh bien écoutez, Bon deuxième coach. position pour moi, je veux dire logique, hein, la salle en moto, c'est quasiment imbattable. Hein. Donc du coup, j'espère que cette petite vidéo vous a plu les gars. Hein. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo sur GTA 6, n'hésitez pas, elle est sortie hier, vous allez sur ma chaîne et vous verrez la vidéo qui est sortie hier de GTA 6.